Salut tout le monde, hello everyone, welcome to my channel. Ok, aujourd'hui on va faire une recette très simple. Pour ça, on a besoin du poulet, épinards frozen ou fresh one, mock tart, les piments frais, paprika, Dijon mustard seed, garlic, parsley, rosemary, everyday season, season vegetable seasonement. Olive oil et végétales méditerranéennes. Donc, on va faire le poulet en fourré avec les épinards. Pour ça, on a besoin des végétales méditerranéennes, Dijon mustard, mustard, vinaigre d'arôme, paprika, chicken breast, seasoning. So, I'm going to slice ma chicken, je vais découper en deux. Je vais pas découper, je vais ouvrir au fait quoi je veux dire. Je vais ouvrir et j'ai juste, comment dire, on va juste un tout peu mariner ça. We're gonna marinate with my épices, paprika, Dijon mustard, Dijon mustard, rosemary, paprika, parsley, du persil, parsley, Dijon mustard, moutarde seed, un grain, et on va mettre un peu de poivre aussi. On va bien mariner ça et enfourer avec l'épinard. We're gonna marinate this one so beautifully and we're gonna put spinach inside, okay? And close it. This recipe is so good. Like you see on the picture, it is so good. So, je vais mettre vegetable seasonement. I'm gonna add my vegetable seasonement. I love this vegetable seasonment, honestly. I love it. You don't need to put salt or maggi. You just put this one. That's it. Because there's salt on it. So I'm gonna add a little bit of that. But if you don't have this one, you can use salt or the normal maggi if you want. Maggi. Si tu n'as pas vegetable seasonement là, tu peux utiliser du sel ou bien du cube maggi. Ok? Et voilà, c'est bon comme ça. Donc je vais enfourner avec l'épinard. I'm gonna put my épinard inside stuff. I warm it inside the microwave. J'ai chauffé un tout peu dans le micro-ondes parce que c'est congelé. Je vais mettre mon vegetable seasonement. I'm gonna add a little bit of my vegetable to test. You know, épinards don't taste good, so that's it. Je vais fermer maintenant. I'm gonna use toothpick to close it. Je vais utiliser les cure-dents pour fermer. Vous voyez? Donc, j'utilise le cure-dent pour bien fermer quoi. Je fais rentrer. Quand je vais finir, je vais enlever. When I'm done with cooking, I'm gonna take it out. So, for the safe side, I need to close it. Donc, je vais fermer ça très bien. Et je laisse reposer un tout peu pour que la marinade, I'm gonna leave it to rest at least for 30 minutes, 20 minutes, 30 to 20 minutes, 20 to 30 minutes. So, I'm gonna take it to the fridge. Je vais mettre dans le fridge. That's my Mediterranean vegetable, so good. It's frozen one, but if you want, you can mix yourself for a fresh one. There's onion here, courgette, red pepper, green pepper, garlic. So I'm gonna, je vais mettre un tout peu de mon seasonement encore. I'm gonna use the same seasoning and put this one in the oven for 20 to 25 minutes. But keep an eye on it. The oven are not the same. Les fours ne sont pas les mêmes. Donc tu mets ça dans le four pour 20 à 25 minutes. Okay, maintenant it's time to grill my breast chicken. Maintenant, je peux griller mon filet ici. Je mets un tout peu de. Si tu n'as pas un poêle comme ça en gris, tu peux utiliser n'importe quel poêle tu veux. Hein? Mais moi, je préfère ça. Je vais vous dire pourquoi. I prefer this poêle parce que it's really so. It makes the chicken so beautiful. Ça va bien dorer ici un tout peu. Après, on va mettre au four. Je vais un tout peu griller ici pour 5 minutes. I'm gonna fry a bit for 5 to 10 minutes. Look at that's why I'm using this grill. That pan grill. So good. C'est pour cela que je trouve. Vous voyez maintenant, ça a pris la forme de mon poêle. Et voilà, je fais les côtés aussi. Et ça va partir au four pour 10 à 15 minutes.
Parce que dedans, c'est pas complètement que 15 à 20 minutes. Mais so I'm gonna take it to the oven for 15 to 20 minutes because inside is undercooked, I'm telling you. So make sure you take inside the oven to cook well. So look at after 20 minutes from the oven. Look at how beautiful it is. So so juicy. Looks so lovely. Look at c'est très joli, bien doré là. Donc je mets ça à côté. Voilà, je vais le laisser un peu se reposer. Après, je vais enlever les cure-dents et couper. Oui, il y a les cure-dents toujours. Donc, ouais, j'essaie d'enlever là. Les toothpicks, so it's time to take the toothpick now because it takes the shape already. So that's fine now. Huh? It's too hot, so I'm gonna leave it to take before I take the rest of the toothpick. C'est un peu hot, chaud. Donc je vais laisser, après je vais enlever le reste. Donc j'ai enlevé. Je vais découper, je vais vous montrer l'intérieur. Look at inside. So yummy. This one is so amazing, tasty, yummy, yummy, yummy. Healthy dish. So healthy and it's so simple dish. But it was so yummy. You want to lose weight? Try this one. You love it. So healthy. Just chicken breast and with a lot of vegetables. Look at vegetables, it's so juicy. Je sais pas que comprendre parce que l'eau en a besoin because the chicken is a bit dry, so it will help you to eat your chicken and enjoy it. Le jus là c'était très bon avec le poulet parce que le poulet filet, tu sais, quand c'est cuit, deux fois c'est un peu sec, donc c'est pour ça que j'ai pas fait rentrer tout le jus pour que tu enjoy, hein? So you can enjoy it. So that's it. You see, simple dish. Very, very simple dish. I hope you love this one. If it's that, don't forget to subscribe, like it. If you're on my channel for the first time, do not forget. And thank you so much, all my subscribers, the new one, the old one. You are the best. And my new subscriber, welcome to my channel. Mes nouvelles abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Parce que je vois qu'il y a les hommes aussi. Merci à tout le monde. À très bientôt pour une autre vidéo. Thank you so much all. And take care. Bye.